Le regard inquiet, droit sur les fissures. En 2009, la famille Gandonfort fait changer la charpente de sa maison par une entreprise locale. Depuis, ses habitants de la Fresnaye-sur-Chédouet, près d'Alençon, vivent un enfer. Tous les murs fissurent les uns après les autres, les plafonds commencent à descendre. On a toujours peur avec les changements de temps, le vent, la pluie. On a toujours peur que ça s'aggrave, tout simplement. La charpente de 50 tonnes serait trop lourde pour les murs. Donc voilà le problème qu'on rencontre, c'est que vu que la charpente descend, elle pousse les murs, vous voyez l'écartement. Et dont aussi les conséquences, c'est que les murs intérieurs se lézardent complètement. L'entreprise qui a réalisé les travaux conteste cette version. Depuis 2012, c'est une bataille d'experts qui s'est enclenchée. La justice a également été saisie. Coût des démarches pour le couple, 20 000 euros. Sans protection juridique dans leur contrat d'assurance, les expertises sont à leur charge. C'est extrêmement long pour les prix qu'on paye, les choses qu'on fait, et ça n'avance pas du tout. Il n'y a rien qui aboutit, quoi, pour l'instant. Physiquement, moralement et financièrement, on n'en peut plus, quoi. Des personnes empêtrées dans un feuilleton judiciaire sans fin, l'UFC Que Choisir de la Sarthe envoie régulièrement. Pourtant, le particulier dispose de nombreux outils pour éviter ce genre de mésaventure. Il peut actionner jusqu'à 3 garanties légales, comme la garantie de parfait achèvement. Elle couvre l'ensemble des défauts pendant un an. Mais pour cela, il faut absolument établir un PV de réception. C'est un PV qui se fait contradictoire avec l'entreprise de charpente, de maçonnerie. Et s'il y a des observations, il mentionne dans ce PV les rectificatifs qu'il faut apporter dans tel ou tel domaine. Outre une protection juridique, l'UFC Que Choisir conseille vivement la souscription d'une assurance dommage-ouvrage. L'intérêt de cette assurance, c'est qu'elle prendra en charge les désordres sans rechercher la responsabilité de tel ou tel artisan. Les litiges de construction dans l'immobilier représentent aujourd'hui le premier pôle de conseil de l'UFC Que Choisir. 70 dossiers traités chaque année en Sarthe. En cas de doute, avant ou après avoir effectué des travaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'association. Téléphone 02 43 85 88 51.